Ah, je pense qu'il y a un vrai problème pour justement ce qu'on appelle les femmes au foyer qui choisissent d'arrêter de travailler, enfin que ce soit l'homme ou la femme, en tout cas une personne du couple qui choisit d'arrêter de travailler pour élever ses enfants, par souci d'éducation ou simplement par souci financier quand on voit ce que coûte le prêt des crèches, des médecins, etc. Moi j'avais rapidement fait le calcul, ne trouvant pas de crèche subsidiée, donc on était dans le privé. Et je crois qu'à l'époque, je ne gagnais pas très bien ma vie. Ça me coûtait, enfin, j'allais gagner 100 euros sur le mois, trajet compris, médecin compris. Donc, je préférais franchement élever mon fils moi-même. Et donc, c'était un peu ça la raison de l'arrêt. Et donc, oui, je pense qu'il faut absolument pouvoir protéger les gens de telle sorte qu'ils puissent retourner sans aucun inconvénient dans le système. Parce qu'en fait, c'est tout des faux chômeurs. Et il y en a énormément. Il y a beaucoup de gens, ou même qui aident leur mari, de profession libérale, etc. Et ce sont des faux chômeurs. Et donc, oui, pour moi, il y a un vrai problème.